Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 3 ans de cela maintenant, nous étions au cœur de l'été et nous avions pu découvrir ces images. Certes, élégantes, mais néanmoins très sobres. C'était le teasing de la part de Bethesda d'un titre que l'on ne connaissait pas à l'époque, à savoir Starfield, une nouvelle licence chez Bethesda. Et depuis, eh bien, on a pu découvrir le tout premier teaser, un peu plus concret, avec des images réalisées avec le moteur du jeu. C'était l'été dernier, c'était lors de l'E3 2021. Eh bien, Todd Howard, de Bethesda, lors d'un événement organisé sur Reddit, a précisé 2-3 petites choses au sujet de Starfield. Déjà, il a dit qu'il apporterait des innovations importantes qui vont placer, je cite, « un nouveau standard de qualité dans les RPG action de nouvelle génération ». Il a d'ailleurs aussi, une fois de plus, reprécisé que les images que vous êtes en train de voir, eh bien oui, elles utilisent bien le moteur du jeu, qui s'appelle le Creation Engine 2. Et quand même, objectivement, la subtilité des éclairages, la qualité des textures, oui, là, on sent qu'il y a le petit cap next-gen qui risque d'être franchi. Écoutez, on a hâte d'en voir plus, bah justement. Todd Howard nous donne rendez-vous. Et il a dit, bon, pour vous en montrer plus, rendez-vous l'été prochain. Et l'été prochain, je sais pas pourquoi, et pour vous, mais pour moi, ça résonne comme E3 2022. Généralement, c'est au mois de juin, donc c'est la période, on va dire, estivale. À noter aussi, pareil, Todd Howard l'a confirmé, que Starfield acceptera les mods apportés par la communauté, histoire de continuer à faire vivre le jeu, au-delà même de ce que les créateurs ont initialement pensé. Je vous rappelle en tout cas que le titre est attendu pour novembre 2022, si tant est qu'il ne soit pas reporté comme à peu près l'intégralité des jeux de cette année. Mais ceci est une autre histoire.